Et nous sommes de retour. Donc on a un mercenaire à tuer qui se balade très très vite. On va peut-être pas aller le tuer du coup. Non mon dieu, il y a plein de trucs. Donc en théorie, je voulais aller tuer ce mercenaire, mais je sais pas où il va. Il est parti à Perpète. Ouais, non, bon, bah laisse tomber. Laisse tomber. On va faire autre chose. On va parler aux gens, voir ce qu'ils veulent, là, les deux qui sont qu'on vient de récupérer. Et après, on va... Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Chaud quand même. Enfin, après ils sont un peu débiles aussi les mecs de venir là quand même. C'est un camp spartiate. Hein. Non, nous on ramasse que ce qu'ils ont. Je te cherchais. J'ai vu ton message. Alors? Mon mari est un soldat, un vrai spartiate. Quand il est à la maison, je joue de la lyre pendant qu'il me raconte ses batailles en me peignant les cheveux. Super. Je me moque de ce qui se passe sous ton toit, musicienne. Viens-en au fait. J'aimerais lui envoyer une mèche de mes cheveux, mais nous sommes spartiates et il préférerait peut-être que je lui offre la mort d'un chef athénien. Délicate attention. Oui, c'est si bon d'être amoureuse, Mystios. Tu veux que je t'apporte ça? Exactement. Ce doit être livré intact. Je vais m'occuper de ça. La gloire te reviendra, mercenaire. On en a fini. D'accord. Objet de quête, équipement de voyage, ça marche. Apporter le sac. Non, mais on a pas que ça à faire. Oh l'autre, il est parti à 1000 et quelques. Il faut arrêter de le suivre, quoi. Le mec... qu'on cherche, il est parti je sais pas où, il fait sa vie. C'est bon. Alors, tuer l'homme politique. Ah, mais c'est toi qu'on doit tuer. Personne nous a vu en plus. Ah, très bien. Bien, petite mission comme ça. Parce que il sait bien de faire ça, mais. Ça va, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle. Et moi le premier. Alors, du coup. Apporter le sac. Putain, c'est loin. Enfin, c'est... Non, c'est pas très loin. Mais... Cassez-vous les cleps. Pas que ça à foutre. Non mais... Un autre. Oliatos, le sacrilège, accusé de meurtre. Oliatos, le sacrilège, découvrit le coupable, traîné au temple du village et sacrifia ses doigts sur ce qu'il avoue. Cela lui valut ensuite d'être banni pour blasphème. Ah. Attends. Chemin.
Putain, on prend rien, quoi. Alors, on t'a tué pas vraiment parce que tu étais un problème, mais c'est parce que tu avais du bon équipement sur toi. C'est surtout ça. Yes. Passeur, plus 1% à tous les dégâts et plus une seconde de durée d'incendie. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on y va. Merci. À plus tard. Il va se calmer, lui. Ah, les gens qui se sont trop tués. Qu'est-ce qu'ils font? Allez. Ah, des Spartes qui ont tué des... machins. Fais la course contre Apollon, ralenti. Oh, putain, calmez-vous. Oh, les mecs, quoi. Ils s'énervent pour rien. Une musicienne m'a dit que tu avais besoin de ça. Ah oui. Je me demandais quand ceci me parviendrait. Tiens, voilà ton paiement. Bon, merci. Par contre, j'étais en train de me demander si on peut pas... Excusez-moi, on repart un peu dans les options vite fait. Il y a un truc que je voudrais enlever, c'est genre le cheval et tout ça. Jauge des primes, non. Il n'y a pas vraiment... Non, désolé. Non, j'aurais voulu genre enlever genre les icônes comme ça, là, genre de voir le chien et tout ça, on s'en fout. Ah oui, lui, ça fait des plombes qu'on lui avait parlé. Hyrcanos, le mercenaire, est mort. Sparte te remercie, Mystios. Et ma récompense? Nous n'avons pas conclu de contrat. C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte t'est reconnaissante. Parfait. Casse-lui la gueule! Attends, il y a plein de mercenaires partout. Matulos, le maçon. Allez-vous-en! C'est à ça que ressemblent les mercenaires de nos jours? Ouais, non, lui, il a l'air... Lui, il est un peu chaud. Laissez passer, vite! Ah, on pourrait le recruter, lui, par contre.
Mais on pourrait le recruter. Bon. Alors, quête. Quête. Termine tous les objets, oui, ça on verra. Prince of Persia. Alors, statue Athéna, oui, ok. Allez, les jeux Prince of Persia, c'est Ubisoft aussi, je crois. D'accord. Alors, tu es le dirigeant. Ça marche. Alors, le dirigeant, il dirige de là. Et on a une statue aussi. Donc, on va y aller, ça marche. Il y a pas mal de trucs à faire là-bas apparemment. Alors déjà, c'est la zone est super affaiblie. Super affaiblie, donc... Qu'est-ce que vous avez, les mecs? Ah mais, d'accord. Tirer des flèches. Et il a touché son pote. Tu as plus de force que je croyais. Je te tuerai pour ça. Tu me gaffes, toi. On va le défoncer au corps à corps. Parce que... Non, t'as mal formé, gros. Ah ouais. Voilà. Saloperie. Ah tiens, est-ce que j'ai une barre qui augmente? Ah, ça pète! Ouais, ouais, non, non, on a bien fait de prendre ça aussi. Genre, j'ai la barre qui était un peu... Bon, je sais pas, elle était à un quart. Et du coup, elle a fini d'augmenter. Ça, c'est bien, ça. Donc on a fini aussi une quête là, bien. Ah là là. Merde, tué. Ça pète. Ouais, du coup, j'étais à... J'ai récupéré une barre en combattant. Et elle était un peu augmentée, la dernière. Du coup, elle s'est... C'est chargé complètement, quoi. Ah, c'est vachement top. Bon, on a plus de loup. Bonjour les Athéniens. Ça va ? Enfin, je crois. Bon, on n'a plus de loup. Alors, c'est à ça que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit. C'est bête. Bonjour.
On va faire genre, on attend quelqu'un. Ouais, du coup, on est de retour ici, ça marche. Ok, lui là-bas. Là, il faut qu'on aille là, nous. Là, ça, c'est l'aveugle. On a une quête aussi sur la gauche. Alors. Représentant de Mugaris. Je me disais, est-ce qu'on devrait pas, genre, tous les. Faire la collection de ceux qui dirigent les contrées? Genre, on le met sur notre bateau aussi. Ce serait pas mal, non? Et merde. Boulias, le petit serrant. 36. Oh, 20% dégâts de poison, dégâts assassins, les dégâts d'armes deviennent des dégâts toxiques. D'accord. Le mec, c'est toujours toxique en fait. T'as-tu ? La peau marquée est pâle, le regard terne. Certains qualifieraient Polis le tisserand de cadavre ambulant, laissant derrière lui des hordes de corps tremblants. Ça marche ? Faire ça. Où est-ce qu'il faut se mettre? Tu veux que je me mette là? T'es sérieux? Non, t'es sérieuse. Je pense qu'on pourrait se charger de ça d'abord. Maintenant, c'est de notre niveau. Tout va bien. J'ai les mollets solides. Par contre, j'ai le marqueur qui m'emmerde. Attends, il y a quoi là? Kéré, besoin d'aide? La femme d'un soldat a accouché et m'a dit que son mari était un traître. Ils vendent des secrets, et ils ont l'intention de quitter la ville. Pourquoi te l'a-t-elle avoué? La douleur et la peur de la mort incitent certaines femmes à parler. Mais maintenant qu'elle reprend des forces, elle va le dire à son mari, et il va me faire tuer. Ah bah oui, bah oui. Alors tu veux que je l'envoie aux enfers? Non, il faut que tu le tues. C'est pas pareil? Tu peux compter sur moi. Alors, je peux avoir l'esprit tranquille. Laisse-moi faire. Ah, mais je crois que... En fait, moi, je demandais si elle voulait que je tue la femme.
Et elle, elle a dit que je faut tuer le mec. Ah, on verra ça après. Hein. On est occupé pour le moment. Alors. Bon, massacrons tout le monde. Mieux vaut éviter de se faire voir. Ça, c'est embêtant, ça. Voilà, donc là, le 200% en fait serait vachement utile, du coup. Parce qu'en plus, je récupère de l'adrénaline assez facilement, maintenant. Donc ça deviendrait utile de pouvoir one-shotter les gens comme ça, même avec de l'adrénaline. Parce que là, je... Ah, si. Ah, ce l'autre il était spécial en fait. Ouh, joli ça. Oh. Ah merde, niveau 12. On est 12. Oh, dégâts soldats spartiates, dégâts assassins, dégâts guerriers. Cool, nickel. On avait loupé un apparemment. Nickel. Bon. Chose suspect. Bien. On reste aux aguets. Attention aux attaques surprises. Oui, compris. Quelqu'un l'a vu? Aucune. Nickel.
Il passait où le cadavre? Bon ben voilà. Nickel. Ah, plus on a d'habilité et plus ça devient fun à jouer, hein, je vais être honnête. Pas d'escalier. Est-ce que je peux mettre le feu normalement ici? Non, il n'y a pas de touche, je pense. Parfait. Pas d'éminer les archers, nous n'avons pas d'ennui. Voyage à l'ouest du mont, hein, pour jouer au cœur de la baie. Tu te trouveras sur une étagère dans les ruines englouties. Ça marche. Ça, on verra plus tard. J'ai pas envie de me prendre la tête à chercher les choses comme ça. Bah ben voilà. Oui, je vais rester loin de lui parce que s'il a envie de lui prendre de one shot, il peut. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Tuer le soldat. Voilà. Que se passe-t-il? Attention, celui qui a... Qu'est-ce qu'on fait? On les... tue d'abord les gardes du corps. Ah, c'est un peu la merde hein, maintenant que t'as perdu du pouvoir. Hein. T'as des gardes à la con. Bon, elle peut la fermer l'autre là? Si on allait tout simplement les combattre. Je pense qu'on va devoir combattre. Ce jour sera ton dernier.
Qu'est-ce qu'il a l'autre là? Tu viens de faire une terrible. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Je donnerai mon cœur au chien. Il va vite perdre ce sourire. Va un peu. Cette canaille s'enfuit. Faut pas vraiment sa vie descendre. Wow, oh merde! J'aurais peut-être dû le tuer quand j'avais le temps. Chier tout le monde en fait. Quand ils prennent feu, ça fait une explosion quand on fait du poison. Que le chef Adenia est mort, je dois retourner voir Stator. Hop là. Eh ben. Donc ça, c'est toi le nouveau là? Attends, c'est qui tout ça là? Ah là là. Je vais voir la sage-femme. La prime, prime de mercenaire. Ah, on peut se les faire, je pense. On est déjà niveau 13. Ah, là. Chasseur, assassin. Nickel. Dégâts incendiaires, ça c'est bien. Ça c'est la nouvelle tablette. Nouvelle aptitude. Comme j'ai dit, oui, le soin peut être utile.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le kill critique. Le kill critique, c'est ça. Ouais. De l'armure en plus, et je trouve ça pas mal aussi. Hein. Perte de contrôle 30%, fouille automatiquement les ennemis après augmentation des dégâts critiques de 25%. Ah non, ça peut être pas mal. Les assassins rapportent un bonus de 1 segment d'adrénaline. Les assassinats, pardon. Apporte un bonus de 1 segment d'adrénaline. Ça, c'est pas mal. Voilà, on fera plus de dégâts. Tu vas où, machin? Ah oui, lui il bouge pas, c'est vrai. Ah si, il bouge. Est-ce qu'il faut le recruter lui? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Maintenant que tu le brûles, si on fait du poison. Si on t'assomme. On peut pas recruter les mercenaires. Putain. Sur mercenaire. On récupère pas mal de flèches aussi quand même. C'est vachement bien, vachement bien. Bon, on va pas faire en sorte de les faire automatiquement, on va faire juste celles de base. Ah, celle-là on peut pas apparemment. Il n'y a que celle-là qu'on peut fabriquer automatiquement. Ça va, ça tue. Alors, fais voir. Assassin dégâts chasseurs, c'est pas mal. Pas mal, mais on va garder le légendaire. Quel navire, nous on a récupéré lui. Donc santé de tous les lieutenants et dégâts des prenages. Ok. Alors, niveau mercenaire. On a un nouveau. On a le... Elle aussi, Agathe. Ça marche. C'est quoi ça? C'est des loups? J'ai tué le loup, putain de merde.
Bah, c'est pour mon loup. Indif relatif à un mercenaire. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous à me chercher? Bon, je comprends pourquoi, mais bon, quand même, hein, c'est pas une raison, hein. Alors, assassin, dégâts de l'épée. Non, on n'a pas dégâts de l'épée. Enfin, on n'utilise pas d'épée. Ouais. Ah oui, c'est ça. On a eu ça. Le message contient des informations détaillées sur un mercenaire traqué. Xanthos, l'amateur de flammes. Ça marche. Tu crois qu'Ulysse a dû s'occuper de son père malade? Si je veux qu'on se souvienne de moi, il faut que je... Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmené voir les ruines d'Ulysse. Odessa. Ah mais c'est elle. Tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Je me suis dit, je la connais. Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Ah, merde. Ah, vas-y, on va flirter. Je rencontre beaucoup de gens, mais je dois dire que c'est vraiment toi la plus belle. Oh, c'est vrai? Eh bien, tes paroles chassent un peu mes soucis. Hmm. Il paraît que je suis douée pour distraire les gens. Et je suis sûre que tu as un lit à l'intérieur. Tu ne perds pas de temps, toi, n'est-ce pas? Il y a mieux à faire avec le temps que de le perdre. Ça, je n'en doute pas. Pas ça faux. T'intéresse? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Si tu m'aidais, nous pourrions peut-être continuer cette conversation. Oh là là, putain. Trouve-le toi-même. Trouve-les toi. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Ouais, ouais. Reste auprès de ton père, je vais revenir avec les herbes et la décoction. Ah mais c'est pas lui ton père. Le mec arrête pas de... Odessa est dévouée. Je m'inquiète pour elle. Ouais, c'est vraiment lui. Ça on doit faire quoi? Genre le détruire en fait? Maintenant que j'y pense. Ça aussi, ça appartient ici. Et ah, peut-être avec des flèches explosives. Je sais pas. Je voudrais bien récupérer le cheval. Qu'est-ce que je raconte? Le loup. T'es qui toi? Ah, t'as une carrière comme un tasseau. Excusez-moi, j'ai mangé un petit bout. Peau de métal, il mena une révolte par la suite. Il se fit mercenaire, mais jura de revenir à Tassos pour la raser. Il ne le fit jamais. Augmentation de dégâts dues aux attaques à distance. T'as un bon arc, toi. C'est là pour la prime, d'accord.
du mal à viser sa tête. Cassez-vous, hein. Vaincu. Ok, attends, toi tu me fais chier, toi. On va peut-être pas aller là. Casse-toi, la bestiole de merde. Faut que j'aille récupérer le cadavre de l'autre, là. Donc c'est bien le mec 35 en fait qui me poursuit, ça va, ça tue. On y va maintenant. Putain, pourquoi l'autre il est venu? C'est parce que je l'ai ciblé, je crois, pendant que je combattais l'autre. Et je crois qu'il l'a tué, c'est pas moi. Hein. Ouais. Bon, on a récupéré les... On a récupéré les objets, mais là c'était la merde, là, par contre. Notre mercenaire. Ah, il commence à être chaud un peu les mercenaires qui se baladent là. Ah la vache. Bon, on a l'arc, c'est ce que je voulais. Bon, on verra ça après. Allez. Bon, là, il y a quoi exactement? Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Putain, on va se mettre là, comme ça. On est invisible. Alors. Donc, toi, tu nous fais chier, toi. Toi, t'es... Ouh, toi faut qu'on te récupère toi. Ok, lui. Ok, c'est celui-là qu'il faut qu'on récupère pour notre bateau. Il y a plein de prisonniers. Il y a tellement de gens, c'est ouf. Je sais pas si on va y arriver là, hein, par contre. Enfin, oui, non, mais on va dire que les tuer, ça va pas vraiment être un problème. On devrait peut-être augmenter notre arme de niveau.
Si on est niveau 13, ça serait un bon apport de dégâts en fait. Ce serait un bon apport, un bon boost en fait de dégâts, d'augmenter notre arme au moins. Ils sont où les forgerons? Là. Bon, on n'a pas le temps de passer par la porte. Il y a un coffre juste là. Voyageurs. Attends, d'abord on regarde notre inventaire. Après je me demande, est-ce que plus c'est élevé, genre la mise à niveau de l'équipement, et plus ça prend, ça demande des ressources ou pas ? Dégâts tirs dans la tête, dégâts tirs à l'arc chargé. Ça serait pas mal, mais il faudrait le mettre à jour après. 1400. Non. Luis Hermès, toujours accompagné. Ouais. Attends, déjà fais voir un peu ce que ça nous donne. On gagne un peu de chasseur, on perd en assassin, c'est pas trop grave. Dis-moi ce que tu cherches. Si on veut améliorer maintenant l'arc, ça demande quoi? Ça demande beaucoup de ressources quand même. Enfin du bois surtout, c'est surtout le bois qui me fait chier. Mais on passe à 233. Ça... bien. Parce que dégâts tirs à l'arc chargé, dégâts tirs dans la tête et tout ça, c'est vrai, c'est que du bon en fait. Ça, 267. Ça aussi, 1747 de poids. Un peu chier, mais... 108 de bois, on peut pas. Bon, après le reste, pas la peine. Ça demande du bois, ça? Non, ah non, c'est pas du bois, c'est des fourrures. Ah. On peut faire ça. On peut faire celui-là. Parce que s'il y a l'autre qui se balade là, qui peut nous one-shot, peut-être que là il nous one-shottera pas au moins. Gravé sur l'arc. Dégâts d'assassin. Dégâts d'assassin, ça peut être pas mal sur ça. Fais voir. 4. Ouais, est-ce qu'on avait gravé quelque chose sur notre lance? On n'avait rien gravé sur notre lance. Peut-être une parcours. Dégâts de poison, dégâts de chasseur. Du pourcent dégâts sur les animaux. Adrénaline parcours, c'est pas vraiment utile parce que l'adrénaline monte très bien. Dégâts de chasseur. Ah, faut avouer que quand on fait ça, ça va vite. Hein.
d'argent. Mais encore une fois, je pense que le plus chiant, c'est de récolter du matériel. Donc on démonte pour le moment. De toute façon, c'est très peu d'argent. Puis c'est pas tous les jours qu'on va augmenter notre équipement. Donc c'est pas voilà, c'est pas tous les jours qu'on balance genre 20 000 roubles quoi. Après on avait un peu d'équipement genre assassinat. C'est vrai que si on avait équipé de l'assassinat pour assassiner, c'est peut-être un peu mieux. Bon. Si je peux autre chose pour toi. Ah non, là on est bien là. Là on est bien. On a quasiment 400 d'armure. On a du chasseur en plus. Ouais, là je crois que. Je crois qu'en théorie on devrait faire mal. Voilà, 10 de chaque. Je me demande si on pourra augmenter le carquois. Parce que ça, c'est un truc quand même un peu limité, quoi. Allez, on va faire ça. Est-ce qu'il faut remarquer les gens ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Let's go. Il n'y a que lui qu'il faut kidnapper. Je dois rester caché. Yes. Nickel. Pas l'air de trop se soucier non plus. Hein. Je voulais le faire tomber, moi. C'est marrant comme ça. Pêche-toi. Ok, ça marche.
Ouais, on a bien fait honnêtement. D'augmenter notre arme. Je crois que là c'est bon, là on s'est remis à jour, là on va tuer tout le monde. Putain, mais il sait nager. Tu es presque. Con. Hein. Bon, lui c'est le mec qu'on doit secourir. Mais putain, bloc! Je me suicidais. Bon, je pensais pas qu'il était aussi dangereux. Ah, c'est pas bon signe ça! En fait, j'ai mal joué là. Ouais. Oh putain. Ouais, j'ai très mal joué en fait. Oh. Ouais, on a très mal joué. D'accord, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc là, ils ont appelé des renforts et tout le monde vient. Il y a au moins 4 personnes en plus. Ah bah là. Ah là on a merdé là. D'accord. Faudrait en fait s'occuper de la torche déjà dès le début. Comme ça éviterait les surprises. Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait de la merde. J'ai envie de partir quoi.
peux voir si on peut pas le récupérer lui quand même. Avant de partir. Oh et merde. Alors tu abandonnes? Viens ici toi. Me casse. Qui va gagner? T'es pas mort. Ah merde, mais c'est... Oui. Normal que tu sois pas mort. Et je peux t'emporter si t'es pas mort. Ah, déposé? Non, pas déposé sur le cheval quand même. Par contre, est-ce que c'est parce que je suis plein? Peut-être. Création de points faibles. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas le récupérer, le mec. C'est marrant, elle le pose différemment quand le mec est pas mort. D'accord, c'est pour ça. Du coup, là, je pourrais retourner le récupérer. Allez. Il est pas mort. Il est pas mort. Let's go. Oh là là, le bordel pour récupérer un mec, quoi. Je veux juste recruter votre copain. Rejoins mon équipage. Tu ne le regretteras pas. Voilà. Alors... 6% de dégâts de javelot, création de points faibles par javelot, 6%, moins 6% de dégâts par boost. Ça va, c'est cool. Ah putain, mais c'est trop con qu'on soit limité en fait. Donc du coup, je devrais virer ceux-là. Enfin, c'est les violets là. Bah, lui, je peux pas en plus. Tecton. Je peux pas le virer, je sais pas pourquoi. Ceux-là non plus, je peux pas les virer. Ah putain, mais c'est nul. Moi je peux pas les virer les autres là. Ouais, super, on m'en donne des trucs et puis au final je peux pas les virer. Je sais pas si c'est quoi.
Bon, apparemment c'est redevenu calme par contre. Donc à la limite on peut peut-être finir l'endroit. Ah, je suis pas très très heureux de ce que j'ai fait. C'est pas, c'est vraiment un peu moche. Mais au moins on a appris des trucs. Donc quand on aura des forts comme ça, on ira... Bah là je pourrais y aller en fait à la torche. Genre là... Comment ça s'appelle ? Mettre une bombe là. Trafiquer. Il pleut des gens depuis les murailles. Faites pas attention. Très bien. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres pour les flèches. Très bien. Quelle... Si on peut le faire de loin, ça abusait quand même. On va aller faire la torche. Trafiquer la torche. T'as bien un piège. Je sais pas si je vais one shot. Mais... Non. Ah, il va faire la torche. Bien fait de faire la torche.
On a très bien fait de faire ça. Oh merde. Ah, mais c'est elle, d'accord, ok. Ouais, l'ours nous fait chier. Alors, grave de la vie en plus. Ah, elle, elle nous recherche, ouais. Elle est en rouge et tout. Oh, ça c'est bon ça. Tu n'es plus fou. Okay. C'est chier l'autre là. Encore un mec là? Je crois que j'avais fini quoi. Casque de brut. Bon, je crois que l'autre pas les parties. Hein. Ça va plus. Donc, je pense qu'elle est bon. On est bon. Ouais, on est bon, on est bon. Pouf. Ah, c'était compliqué. Par contre, je suis déçu là de la limite. La limite là pour les gens qu'on peut recruter. C'est ça, ça va nous foutre dans la merde. C'est très très limité. Hein. Très très déçu. Genre là j'ai place pour deux quoi. On va renvoyer les non affectés. Ouais mais non. Enfin moi j'aurais bien voulu faire une... je sais pas, ouais, une... Comment dire Ouais, une liste de personnes et tout, même si je les utilise pas vraiment, voire une collection, ça aurait été cool. Mais attends, je vous libère après.
pierres précieuses, c'est important. On peut les libérer, je pense, maintenant. Oh, joli coffre. On peut avoir un bonus. Les herbes dont Odessa a besoin. Okay. On va faire ça. On est juste à côté. Bon, ça va, c'est plus ou moins bien passé. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir appris pas mal de choses. Genre par rapport à comment les forts en fait fonctionnent et tout. Ça, c'est bien ça. Bon, on va prendre les herbes pour notre copine. Hein. Voilà. Alors, on a fait les herbes. Maintenant, il faut quoi ? Récupérer un truc d'un marchand, je crois. Je m'en rappelle plus vraiment. Mégaris, la ville des cochons. Bon, par contre. Ouais. Théos le sensé. Donc on peut très bien recruter les mercenaires, ça c'est intéressant, faudra faire attention. Lui il est bien lui. Oh mon dieu. Okay. Normalement, ils nous voient passer. Bah, ils sont sympas quoi, enfin on est... On est un mercenaire aussi, quoi. Après, si on les provoque, oui, d'accord, ils vont pas nous aimer, mais... Mais sinon, ça devrait aller. Enfin, peut-être que lui, il est à notre housse, lui, non ? J'en sais rien. Ce marchand doit être celui dont a parlé Odessa. Ça marche. On va peut-être pas rester longtemps ici quand même. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Les meilleures marchandises qui soient. J'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Odessa m'envoie. Oh mais bien sûr, je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Non, je ne paierai pas. Si tu ne veux pas la mort de son père sur la conscience, tu vas me donner ça. Ah, pas de chantage affectif avec moi. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien Odessa qui t'envoie ? Pas bête. Je vais me servir sur ton cadavre alors. Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut ? Non, je ne paierai pas. Si tu ne veux pas la mort de son père sur la conscience, tu vas me donner ça. Ah, pas de chantage affectif avec moi. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien Odessa qui t'envoie ? Je vais me servir sur ton cadavre alors. Ouais, non, mais il y a trop de gens, t'as de la chance. Qu'est-ce qu'il te faut ?
Ah, t'as de la chance, il y a trop de monde et il y a des mercenaires dans les alentours. Donc. Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera au dessin. On est déjà recherché, ça va quoi. Après, quoique, est-ce qu'on est vraiment déjà recherché? On est toujours plus ou moins recherché. Non, on est plus recherché, ça va, c'est bien. Vu qu'on a tué le mec, on est bien. Donc, autant rester cool. Surtout avec les mercenaires qui se baladent. Livre-nièce. Livre-nièce, non. Elle a un trident. Allez, go. Ah, quand ils disent qu'un tueur revient toujours sur les lieux de son crime, hein, bah c'est vrai. On vient de passer où on avait tué le mec. Quand tu veux le cheval, hein. Ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Putain. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Il faut pas qu'elle crève. On a plus de vie quoi. Il y a un putain de poulet qui m'attaque. N'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? Quoi? Ah ben oui, non mais d'accord, ils m'ont dit de fouiller les cadavres en fait. Bon moi j'ai appuyé sur la touche pour fouiller les cadavres et merci à la manette. Fouiller cadavres, parler, etc. C'est la même touche. Donc, C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir sans avoir eu l'occasion de me faire un nom. Tout le monde m'aurait oublié. Personne n'abîmera ce visage. Sans douleur, pas de gloire. Il n'y a que moi qui peux l'abîmer. Si tu m'emmenais à l'intérieur pour me faire souffrir un peu. Oh, j'adorerais, crois-moi. Mais cette nouvelle... Et quelqu'un cherche à me tuer, après tout. Oh. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? Eh bien, il faut agir. Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça ne m'étonne pas. Je te le dirai si je te l'accorde. Vous pensez qu'elle a compris qu'on voulait se la pécho ou pas? Tue Odessa avant qu'elle ne cause davantage de tort à Megaris. Quand elle sera morte, le domaine de son père nous reviendra. Ah, c'est ça là. Ah, attends. Ok, on est bon. Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Vous voulez pas bouger les cadavres par contre? C'est pas très plaisant quoi. Tu penses que ces gens m'en veulent? Et tu as raison. Alors son père dort avec Mais les cadavres. J'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'elle va comprendre qu'on veut la pécho au bout d'un moment? Est-ce qu'elle a compris? Je suis pas sûr. Donc on va être encore plus lourd que lourd. L'Odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses? Ah bon? J'ai dû sauter les passages. On va sauter des passages, tu vas voir.
si on lisait ensemble. Nous pourrions lire l'Odyssée. Toutes les deux. C'est comme ça que tu t'amuses? C'est excitant, la lecture. Toute nue, peut-être. Oh. Très bonne idée. Nous reparlerons de nous quand tout ça sera fini. Avant tout, ah, la chiante. Ce message provenait du dirigeant de Mégaris. Il doit exister une preuve de ce qu'il prépare. Oh. Si elle existe, elle est sûrement chez lui. Alors vas-y. Ah là là. Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Je cherche quoi en fait ? Tu as une idée de ce que je dois chercher ? Cet homme est le plus puissant de Mégaris. Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. D'accord. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit. Là, sûrement la tête du mec. Là, là, là. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. Bon, j'avoue que ça nous a foutu dans la merde. J'ai vraiment envie de refaire les aptitudes, mais après c'est cher. Non, ça augmente le prix, je crois, non? Genre, on enlève ça et on prend le soin à la place. Après avoir une bête avec nous, oui, je pense qu'on aura des trucs mieux. Genre, oui, si on a un léopard, un lion, un lynx. Ou alors plus tard, j'imagine que le troisième niveau, ça sera un loup. J'imagine que quand on aura un loup... un ours. J'imagine que l'ours, ça fera une différence, quoi. Par contre, j'aime bien ça, là. L'appel d'un lieutenant. De distraire les ennemis pendant au moins 30 secondes. Genre le mec, il vient, il tabasse et il se casse, quoi. Regardez, allez, hop, il défonce. Au revoir. Marrant, ça. Bon, fais voir si on réinitialise. Ok. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est notre dégât absolu. Je l'avais mis là. Ah, c'est toujours 455 en fait. Bon, ça va. Après, on voulait les flèches. Crafter des flèches. Très bien. On n'a pas perdu les flèches en tout cas, j'espère. J'espère pas. Hein. Non, ça va. Très bien. Alors, ça, c'est pas vraiment utile. Je pense que dans notre difficulté, en fait, c'est relou. Parce que on va pas vraiment one-shot avec une flèche normale, vous voyez ce que je veux dire? À moins qu'on ait vraiment de l'équipement... genre en or et avec un arc en or et tout ça. On va peut-être one-shotter les trucs de notre niveau. Mais à la limite, on n'en aura plus besoin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, par contre, oui. Ça économise des flèches et ça fait mal. Très bien. Alors ça, révéler les secrets, oui. C'est très bien. Ça, c'est devenu... super utile aussi. On va le faire. Ouais, non, je l'ai mal placé. Okay. Affecté, on va le mettre là. Alors, le coup de pied spartiate, oui, il est utile. Il est utile pour tout et n'importe quoi, honnêtement. Ça, on peut pas l'améliorer. Ça non plus, ça non plus. Le tir simultané, 3 flèches inflige chacune 100% de dégâts. Ça, le tir multi-flèche. Je sais pas. Le problème, c'est que ça fait 300% de dégâts, on va dire. C'est 3 fois une flèche, quoi. Sauf que là, on est à 430% en fait de dégâts. Donc, même ça, au corps à corps, ça marche très bien. Ça marche super bien, même. Extrêmement mal. Donc, bon. L'animal de compagnie, je suis pas encore complètement sûr de le vouloir. Ça, le soin, oui.
Le soin, oui. Ah oui, il nous faut ça aussi. Obligé. Je pense même l'augmenter. Très bien. Le poison, on n'a pas besoin parce qu'on a les flèches. Ça, on peut leur faire peur. Ce serait pas mal pour esquiver ça, pour faire pour partir en fait, quand on est encerclé. Après, on a ça, le super kill. Il me reste 2 points encore. On peut pas augmenter quoi que ce soit. Après, on a des choses, genre... augmente les dégâts de guerrier 20%. Après, on a des très bons passifs. On peut avoir des très bons passifs. Genre l'armure, le dégât de guerrier. Là, c'est les dégâts de chasseur. On a des dégâts assassins ou pas? Pas vraiment. On n'a pas vraiment besoin de dégâts d'assassin en fait. Il y a ça qui m'intrigue. Il nous faudrait plus de passifs. Ah quoi qu'attends, mais c'est du passif ça. Ah ben oui, mais c'est du passif, mais ça va quand même utiliser un truc, en fait, je pense. De l'énergie, maintenir. Ouais, ça peut être pas mal. Apprivoiser un animal, ouais. Ça, non, m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. Ça, au final, on l'utilisait quasiment jamais. Ça non plus, ça m'intéresse pas. 290% de dégâts du chasseur. Voire jusqu'au double si elle est entièrement chargée. Accumulation éléments, terre des flèches incendiaires toxiques et portée à 150% possible et non pas des flèches spéciales. C'est un tir dévastateur. Mais même ça, c'est pas très utile. Hein. Ah oui, non, d'accord, je comprends la différence. Si, ça peut être vraiment très utile plus tard. Désolé, je prends un peu de temps pour regarder les habilités. Parce qu'il n'y en a pas tellement. Et au final, c'est intéressant quand même. Je voudrais pas passer mon temps à refaire mon build. Genre ça, en fait, c'est des flèches normales. On peut pas utiliser de flèches spéciales. Par contre, là, oui. Là, on peut faire des flèches spéciales, en fait. Donc ça peut être intéressant. Genre on charge ça, on peut empoisonner directement peut-être, ou alors brûler directement. Ça peut être pas mal. On va prendre l'assassinat critique déjà. Et l'animal c'est bof pour le moment, on attendra un peu. La flèche dévastateur, là, hein. Le tir dévastateur, pardon, la flèche dévastatrice du coup. Qu'est-ce que ça nous permettrait de faire? Genre on tire une flèche enflammée, une flèche toxique. Désolé, hein, je mets du temps à trouver les choses. À choisir les choses en fait. Ouais, on va tester. De toute façon, c'est toujours 400. C'est toujours 455 pour refaire le build. En fait, ça augmente avec le niveau, ça augmente pas avec. Avec le nombre de fois qu'on reset, c'est avec le niveau, donc c'est très très bien. Alors, fais voir un peu. Alors, là, on a le soin, on a le kill et on a le coup de pied, ça marche.
Là, on a le spécial et après on a le B. Voir un peu les dégâts. Est-ce que je peux voir les dégâts? Ouais, enfin, je les one shot. Ok, on regardera sur un soldat. Reste à distance, Mistios. Je vais devoir. Ah, on n'avait pas fini ça, tu vois. Et maintenant, il y a des nouveaux gens. T'es perdu, Mistios ? Repars dans l'autre sens. Allez. Tu cherches vraiment les ennuis, n'est-ce pas ? Ça va, on se casse. Du coup, là... Voyons voir... Genre là, ça fait ça de dégâts si je fais ça. Ouais. Et après. Ok, le tir dévastateur est pas mal. Et du coup, je peux le faire aussi avec une flèche étourdissante. Genre hop. Je peux étourdir en une flèche en fait. Intéressant. Je crois qu'il m'a vu, non ? Reste où tu es. Une proie. Oh la vache. Ah, pas bien. À la limite, c'est peut-être plus pratique aussi à utiliser. Mais je suis sûr que ça fait moins de dégâts. Parce qu'en fait, faut la charger et tout. Donc, ça, c'est sûr que ça fait moins de dégâts. Mais ouais, c'est pas mal. Non, on a bien fait là. Faut que je teste maintenant le super assassinat là. Il n'y a personne qui vient. Ils sont trop disciplinés, c'est con. On va devoir les combattre, je pense.
Va-t'en ! Ce n'est pas pour toi ici ! Genre, ils se disent pas. C'est bizarre, elle fait des roulades autour du camp. Qu'est-ce qu'elle fout ? Oh, ça va. Oh, vous faites chier. Vous faites chier, mais bon. Bon, là, on peut tuer, en fait, l'archer. Là. Ah, là, ça devient intéressant. Là. Attaque discrète, maintenir attaque critique. Yes, on a tué le gros. Ouais, et là, ça serait mieux ça. Hop. Ouais. Ouais, non, là j'aime bien ce qu'on a là du coup. Par contre, ouais, non, le kill critique aussi il est très bien. Ça nous a permis de tuer, de one-shotter le gros là. Alors que normalement on aurait dû le combattre. Ok, ça devient intéressant là. Parce que les changements qu'on a fait. Je suis assez content. Puis les flèches chargées, c'est bien. Quand on a le temps, en fait, de les charger. Puis après, on utilise... Après, on utilise le tir en première personne. Quand on combat. C'est facile à viser la tête, ça fait très mal. Donc on peut spammer ça. C'est ennemi ça. J'ai du mal à viser la personne que je veux. Ouais non. Personne d'intéressant. Alors, allez, on va faire... Merde, récupère. Bois, ouais, ça. Attends, le dirigeant conserve des jouets de valeur dans sa demeure bien gardée. Ça marche. Hey. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai.
Bon bah du coup il n'y a pas grand monde hein, vu qu'on avait déjà fait le ménage. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. Faites pas attention à moi. Un violet, un arc violet, niveau 15. Putain, on a monté l'autre pour rien, quoi. Acheter et monter pour rien. Quoique... Non, en fait, le nôtre, il est mieux pour chasser. Avec les tirs à la tête et tout ça. L'autre, il y a guerrier dessus. Non, on continuera à monter le nôtre. Désolé, je mangeais un bout. Ça m'a donné faim. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer par tous les moyens nécessaires. Parfait. Bon, on peut partir. Ah non, il faut plus d'un. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Il faut retrouver un autre prétendant. Ah, ils veulent vraiment son terrain en fait. Hein. Putain, c'est ouf. Ça sert à rien de les rebrûler par contre. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. C'est pas faux. Enfin, surtout à cette époque. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Bon, ben, on a toutes les preuves. C'est un peu fou, quoi. Eh, ils veulent absolument son terrain. Putain. Enfin, le terrain du père, surtout. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir Odessa. Ça marche. On y va. Lieu historique des couvents. Oh, tu te calmes, toi? On y va. Je pousse. Enfin, moi, je fais pareil, en fait. Mégaris. La ville... Des cochons. Merde. Voilà, voilà, c'est moche. C'est moche qu'on fait. Très bien. Le dirigeant de Mégaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Difficile d'affirmer si Odessa est une victime ou non. Ok.
Bon, on va lui faire... on va la questionner. Voilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Alors... Prenons d'abord un peu de bon temps. Avant les choses sérieuses, est-ce qu'on pourrait enfin s'amuser un peu? Je crois que je peux t'accorder un peu de temps. Oh. Un peu ne suffira pas, il m'en faudra beaucoup plus. Oh. Et ben voilà. Je me sens si détendue. Donne-moi de tes nouvelles qui me laisseront dans cet état. Je sais ce qui se passe. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Le dirigeant a raison. On reste sympa avec elle. Ouais, on reste sympa. Parce qu'il y avait un prétendant qui est mort, en fait. Putain, sûrement qu'elle le voulait pas. Alors, on lui collait un prétendant, elle le voulait pas, elle l'a tué. C'est pas si grave. Et l'autre, il veut absolument ses terres. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement. Je n'ai rien fait de mal. Ouais, bof. Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. Recommençons. En attendant, on pourrait s'amuser un peu. Laisse-moi le temps de me remettre de nos derniers exploits. Ça valait le coup d'essayer. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Tu pourras rejoindre mon équipage. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais rejoindre mon équipage. Eh bien, tu m'as toujours soutenu, et ce serait agréable de partir d'ici. Excellente nouvelle. Et ton père? Il se sent beaucoup mieux, grâce à toi. Tu n'as pas peur, on s'attaque à lui? Ça arrive des conneries. Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors je te souhaite la bienvenue à bord. N'importe... Genre, mon père il est mourant, il me faut ça, ça et ça. Ah, regarde, hop là! Il va mieux. Merci de nous avoir aidés, Odessa et moi. Je commence à me sentir mieux. Ah, ça, vous voulez... Vous vous foutez tous de ma gueule en fait. Mais bon, on se la tape, c'est sympa, ça passe le temps. Voilà. Mais foutage de gueule quand même. Quand même foutage de gueule, hein, je peux pas dire, mais ça me fait rire moi tout ça. Alors on a récupéré un arc, mais il est bleu, hein. Dégage chasseur, tire dans la tête. Ouais, ça aurait été cool, mais le mien, le nôtre est mieux. Alors, on a Odessa maintenant. Ah, t'es nul! Intégrité, création de points faibles par javelot. C'est pas si mal en fait. Mais t'es nul. C'est bête. De toute façon, on va s'arrêter. On va mettre un peu ça, c'est stylé. On a ça, 3 lieutenants peuvent être recrutés. Ça fait cher en bois quoi. Il va plus rien me rester, je vais plus pouvoir faire de flèches. C'est ça, par exemple, ça c'est un exemple de... J'aimerais bien la garder, elle. Mais Odessa, parce que bon, ça fait partie de l'histoire et tout ça, et c'est plus ou moins notre copine pour le fun et tout. Mais elle est violette, quoi. Donc, genre les mecs qu'on a récupérés, par exemple, la Mantios, on vient juste de l'avoir il n'y a pas longtemps. Lui, c'était le dirigeant de je sais plus où, là. Lui aussi, il est bien. Et il est en or et tout, il est mieux. Mais ouais, c'est cool quoi de... Mais aussi il est bien... Ah les mecs qu'on a récupérés sont cool, mais ça on peut pas les renvoyer. Moi je suis bloqué avec une place maintenant, qu'est-ce que je fais? Pourquoi lui par contre, Tecton là, pourquoi on peut pas le virer? Ma question.
Enfin bref. Enfin bref. Confidence de travail. Ça. Là on a Zenobia qui est là, niveau 28, mais elle ne veut pas de mal pour le moment. Là on a quoi? Prime sur brigand. Ah, prime sur brigand, ça peut être marrant. On va voir. Attends, on va faire suivre en fait. On va suivre. Très bien. Et là on a quoi? Prince of Persia. Oui non, Prince of Persia, on s'en fout. Là on peut récupérer notre récompense, retourner voir la sage-femme, et après on fera ça la prochaine fois. Ça va, on avance très bien, on a des trucs vraiment cool, honnêtement ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, mais mais ouais, là ça m'a un peu dégoûté le coup du navire, les lieutenants là. Ça m'a un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. La prochaine fois, on va récupérer notre récompense. On va continuer d'autres quêtes et tout ça. On a du bon équipement. Ça va, c'est sympa. Ça se passe bien. On a des nouvelles habilités qui marchent très très bien. Donc, ouais. Ah, attendez. Attendez. Je peux pas. Ah mais je peux. Je peux pas parce que je l'ai pas reprise. Ah, je suis con. Hein. Désolé. J'avais oublié. Pardon. À la prochaine. Ciao ciao.